D'abord, dernière quête secondaire accessible pour l'instant au niveau de l'ombre et la lumière. C'est beau, mais c'est vraiment loin. Fais attention en emballant ses pots. Vous là, c'est pas trop tôt. Enfin un jeune qui a un peu de respect pour ses aînés. Que se passe-t-il? Vous m'avez l'air costaud, et vraiment loin de manquer d'énergie. Pour le vieux chercheur que je suis, vos capacités physiques pourraient s'avérer très utiles. Vous êtes chercheur. Qu'étudiez-vous? Je suis un ethnologue plutôt connu de par chez moi. Sans doute même le meilleur dans mon domaine, certains vous diraient. Mais je sais que ça ne saute pas aux yeux quand on me voit assis là. J'avais la ferme intention de poursuivre mes recherches ici, sur le terrain. Mais il faut l'avouer, j'ai très certainement sous-estimé les reliefs de cette charmante ville qu'est Tabor. Toute cette marche m'a complètement épuisé, et je me suis retrouvé cloué sur mon banc. Pourriez-vous me faire l'incroyable faveur de braver tous ces escaliers à ma place? Je vous dédommagerai, bien sûr. Que dois-je faire, au juste? Saviez-vous que Tabor abrite trois anciennes stèles? Ces objets de pierre sont de précieux vestiges. Est-ce que vous pourriez vous y rendre? Elles se trouvent à l'abri sous les dômes que l'on repère facilement à différents endroits dans ce village. Et ces fameuses stèles se dressent au nord, au sud et à l'est. Elles ont été gravées il y a longtemps. Et ce sont ces écrits que je souhaiterais vous envoyer consulter. J'espère découvrir les origines peu documentées du peuple qui habite Tabor. Je pense que cela m'aidera à comprendre son histoire. Attendez ici, le temps que j'aille regarder ça. J'espère évidemment vous revoir très vite. Alors, tes nouvelles bottes te plaisent ? Alors, les gardiens du cristal mer ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Existe-t-il encore un endroit où l'on ne parle pas des cristaux mer? Le ciel me fait peur. Ces peaux n'ont pas sauté. Le maire a l'air en meilleure forme ces derniers temps. Traverser les plaines dorées, ici amener des nomades fatigués à Tabor, ils se sont installés, leur gloire jamais ne sera oubliée. Les nomades se sont donc installés ici autrefois. Monsieur, maman, on a fait un... La dernière. Les familles de chasseurs bénies par la grâce de la nature ont connu la prospérité et ne fera jamais oublier tout ce que Tabor a accordé. La chasse a dû les aider à se développer. Je pense que j'en ai fait le tour. On peut voir là où il y a eu les petits points noirs. Là, c'est retournez voir le vieil homme. J'ai été voir les stèles, comme vous me l'avez demandé. Ah, jamais je n'aurais pensé que vous feriez si vite. Voyons,
racontez-moi tout. Qu'est-ce que tout cela vous a permis d'apprendre sur Tabor ? Commençons par la stèle qui se trouve au sud. Voulez-vous que disait l'inscription ? Les gardiens du cristal mère ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Il me semble que c'était ça. Je n'en reviens pas. Ceux qui ont autrefois bâti et habité ce lieu n'étaient autres que les gardiens qui avaient pour tâche de veiller sur un cristal mère. Mais ce qui m'intrigue désormais, c'est la raison pour laquelle ces personnes ont choisi de venir s'établir à Tabor. Poursuivons avec la stèle au nord, si vous le voulez bien. La traversée des plaines dorées ici a mené des nomades fatigués. À Tabor, ils se sont installés. Leur gloire jamais ne sera oubliée. Oui, je suis sûr de ce que j'ai lu. Ah, ça ne m'étonnerait pas que des peuples nomades se soient rejoints à Tabor, et leur culture aurait pu fusionner. Passons à la dernière stèle, maintenant. Qu'y avait-il d'inscrit sur celle de l'Est ? Des familles de chasseurs, bénies par les grâces de la nature, ont connu la prospérité. Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé. Voilà pour les inscriptions. Et c'est vrai que la chasse avait un rôle prépondérant à Tabor. Mais jamais je n'aurais imaginé que ceci en était la cause. Ces trois stèles faisaient donc mention des gardiens d'un cristal mère, de nomades et de chasseurs. Elles témoignent ainsi de la présence de ces trois peuples aux connaissances foncièrement différentes. La culture propre à Tabor pourrait ainsi puiser ses origines dans ce qui faisait l'essence de ces trois peuples. C'est une chance que ces stèles aient été érigées pour rendre hommage aux personnes ayant fait du village ce qu'il est devenu. Merci à vous de m'avoir aidé. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, et avant que j'oublie, je dois vous donner la récompense que je vous avais promise.